Ça m'a pas tourné. C'est pas rendu que je suis là aujourd'hui. Bonsoir, Anne, hein, c'est ça? Oui, bonsoir. Vous êtes aussi jolie que ce que m'avait dit votre mère. Oh. Oui. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Henri. Comment t'as fait pour trouver? Ah, c'est quand t'as trouvé quelque chose, il peut être pas mal débrouillant. Hey, en passant, ça brasse par chez vous, hein? Ah oui, comment ça? En bas dans la rue, là, il y avait une madame, une dame qui menaçait de se jeter sous un autobus. Il y avait plein de monde autour, puis il y avait un monsieur qui essayait de l'en empêcher. Mon Dieu, mais il faut appeler la police. Ah non, non, c'est pas nécessaire. D'après moi, elle ne voulait pas se tuer pour vrai. On avait dû une mauvaise pièce de théâtre. C'était là, elle disait, « Oh, tu me tombes avec ta femme puis ta maîtresse, tu devrais avoir honte. » Le gars, il disait, « Voyons, voyons, c'est pas raisonnable, là, c'est pas ce que tu penses. » Il se tournait là-bas, il m'entendait la foule, puis il disait, « Hein? Tu savais pas qu'est-ce qu'elle dit? Elle est fatiguée, elle sait plus qu'est-ce qu'elle dit. » Là, l'autobus ouvrait la porte, puis elle montait dedans. Elle s'est dit toutes sortes de choses bizarres sur la fusion des âmes perdues à jamais. Puis le gars, lui? Ah, le gars, il est monté avec elle, puis il est ressorti tout de suite après. La femme est habillée comment? Oh, la femme est habillée... Bon, ben, elle est en sécurité, elle a pris l'autobus. Ouais. Bernie, je te présente mon ami Henri. Il est venu me chercher pour aller au théâtre. Ah, bonsoir Henri. Mais, je vous ai vu à l'arrêt d'autobus, vous? Je pense pas, non. C'est vous qui essayez de... Non, non, je suis sûr que non, elle change de sujet. Vous avez un bel appartement. Mon gendre a une très belle job. Heureusement, ça compense pour le fait qu'il n'y a pas encore fait d'enfant à ma fille. Maman, arrête, c'est pas le temps, hein? Ben non, c'est pas le temps de faire des enfants, là. Hein? C'est pas de faire des enfants que je veux dire, de parler de tout ça. Mais j'ai tellement hâte d'être grand-mère. Les plats que tu divorces, ça va arrête! Avec puis finalement, la femme de l'autobus est habillée comment? La femme de l'autobus, il y avait tellement de monde, c'était bien dur à moi. C'est vrai, Carole, il y avait plein de monde. En jaune, ça se pourrait-tu, ça? Et pourquoi en jaune? Oh, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Ben, je pense que ça serait toute une coïncidence, n'est-ce pas, Bernie? Ben oui, toute une coïncidence. Ouais, ben c'est la journée des coïncidences, hein? Parce que Juliette m'a raconté tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu plus de monde ici qu'au Costco la fin de semaine. Tu pourrais peut-être m'aider à comprendre quelques affaires, Bernie. Comme par exemple, pourquoi l'inspecteur ressemblait autant à la mariée? Ah oui, puis il paraît que la dame en jaune est venue deux fois à l'appartement, puis... Voyons, mon amour, on ne peut pas se fier à Juliette. Elle est seule s'occuper de tout un immeuble, à mettre toutes les affaires, à part le français tout croche. Moi, je trouve au contraire que Juliette a l'air de quelqu'un en qui on peut avoir vraiment confiance. Son accent n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est vous qui le dites. C'est une lettre à part M. Bernie. Donnez-la-moi, je m'en occupe. Excusez, madame, il doit la remettre à la main propre. Vous avez raccompagné la dame Ayoun à l'autobus? Complètement folle, oui, oui, c'est ça. Et comme vous dites, vous m'enlevez la botte de la bouche. La botte. Tu lis pas la lettre que tu as reçue? Ah non, non, il est tard. C'est sûrement pour la job. Je verrai ça demain. À ta place, je le dirai. Hein? C'est peut-être important. C'est vrai ça, Bernard. Qu'est-ce que t'en penses, Henri? Oh, ben... Moi, à chaque fois que je reçois une lettre, c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. La dernière, c'était ma femme qui me disait qu'elle me quittait pour aller avec mon frère. Fait que... Concerne, je ne la lirai pas tout de suite. Excellente suggestion, Henri. Bon, ben moi, je vais aller prendre la douche. Encore? Avec tout ce qui est arrivé, là, je suis épuisé, là, ça va me réveiller un peu. Hein? C'est plutôt que ça, ça s'est collé dans le reste d'une chope. Oh, maman,
Henri pourrait peut-être nous conseiller sur la catastrophe dans notre chambre. Hein? Irais-tu y montrer, s'il te plaît? Oh mon Dieu, c'est vrai. J'avais presque oublié. Viens voir Henri. On dirait qu'il y a eu un attentat à bombe dans le genre. Bon, voyons voir qu'est-ce qui est écrit sur ce petit mot-là. J'avais oublié ça. Tu prends ta touche avec ton veston à cette heure. Ah ben oui, regardons ça. C'est pas chaud d'autre bord. Espèce d'hypocrite. Quand tu liras ce mot, il sera trop tard. L'irréparable sera accompli, signé F. Voyons, encore un F. F pour Ophélie. Ou bien Fanny, la supposée fiancée de Jean-François. Oh, je vais t'avoir, mon Bernie. C'est pas encore clair, mais tu vois que si tu me trompes, tu as un pécheur en maudit. Oui? Bien sûr, c'est madame, c'est notre remote. Bon, là, c'est Bernie. Ah, remote? Je voulais dire un mot. Excuse, madame, mais il est pour M. Bernie. Le mot est Yoruba. Oui, vous devez lui remettre en main propre, je le sais. Mais je suis sa femme, hein, puis je lui fais confiance. Justement, c'est pour ça. Les ennuis viennent toujours des femmes. mais des autres femmes, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Monsieur, moi, je la lis, je vous la donne, vous lui donnez, puis ni vu ni une connue. Faire confiance, hein? Madame, je suis très distraite. Hein? Les concierges ne peuvent pas se mêler des affaires et des ménages. Mais monsieur Bernier est dans la douche, qu'il y en a pour un petit bout, hein? Il y a un petit bout? Un petit bout? Je vais la poser là. Je me retourne. Il attend quelques secondes et ensuite, il la reprend et la donne à M. Bernier. Ton ingratitude a fait déborder la coupe. Ceci est un adieu. Il y a d'autres bras pour me consoler, signé F. Mais oui, on donne encore un F. Juliette, avez-vous vu la personne qui vous a donné ce petit mot-là? Non, on l'a glissé sur la porte. Il y a beaucoup ça, Manuel, qui est là en ce moment et qui parle avec Anna Mayol. Elle est revenouche. Elle aime beaucoup mon cousin et là, il joue à l'Emenopoli. Bon, ben, la lettre, ça ne peut pas être fictive. Encore. Tu t'es lavé les mains parce que c'est un motte qu'elle veut te remettre en main propre. Mais c'est chaud. Monsieur Bernie, voilà le motte. Puis, t'as-tu vu ta première lettre? J'ai pas eu le temps. Puis, ça t'inquiète pas plus que ça. Deux lettres en peu de temps, c'est peut-être pas inimportant, hein? Pas vraiment, non. Au fait, c'est la dame jaune que tu as accompagnée à l'autobus de la Philly, là, ben, est revenue. Comment ça, revenue? Ben, boquée, elle. Monsieur Bernie, elle est en bas dans mon bureau, ça. Et quand il reste, on l'a assez bu. Voyons, je sais pas pourquoi tu t'énerves, là, elle t'a rien fait. Il y a du monde comme ça qui nous énerve, là, pour on sait pas pourquoi. Ben, voyons, là, elle est dans le bureau en bas avec le cousin de Julietta. Ils jouent à quoi, déjà? Ils auront beau jouer ce qu'ils voudront, là. Au docteur à 4-4, au trou de cul, on s'en fout. Bernie, hein? Tu dépenses les bombes, là. Voyons, monsieur Bernie, il ne joue pas avec les trous du cul. Il joue à les Ménopolis. Voyons, Bernie, ça se dit pas, là, arrête. Monsieur Bernie, mon cousin Manuel a 12 ans. 12 ans! Et là, il joue à les Ménopolis. Voulez-vous qu'il y a des à la Damayon que vous êtes là? Non, plus elle est loin, mieux je me sens. Julietta, motus et bouche cousue. Et il ne connaît pas le motus, mais il a pas peur de la bouche cousue. Je vais retourner en bas par où on est rendu le jeu de mon cousin Manuel. La Damayon ne voulait qu'il passe à son hôtel pour qu'il lui donne de l'argent. Excusez-moi pour le dérangement.